Enfin, le grand retour à Bollard. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis trop contente. Ça fait plus d'un mois maintenant que j'attends de retourner au stade. Ça me manque, c'était trop long. Bon, c'est pas la reprise du championnat, mais c'est Lens Torino, c'est un match amical le dernier de. Ah non, il y a Manchester United dans 3 jours. Mais dans tous les cas, j'ai pas de passeport donc je peux pas y aller. Et puis j'ai un mariage donc j'aurais pas pu. Enfin, je pense que j'aurais quand même été si j'avais un passeport. Mais bon, dans tous les cas, je peux pas y aller. Mais là, je suis trop contente de retourner à Bollard. Je sais pas quoi vous dire, je suis pressée de voir les nouvelles recrues, ce qu'elles donnent. Je sais pas encore quelle équipe ça va être sur le terrain. On va se retrouver au stade pour vous montrer tout ça. Aujourd'hui, je serai en Le Pagno, je sors un peu de ma zone de confort, mais c'est parce que j'étais pas sûre de pouvoir venir au stade. Alors j'ai pris ma place un peu au dernier moment et il restait plus que ça. Donc je suis en Le Pagno basse tout un peu. En vrai, je suis quand même contente parce que je suis assez bien placée. Bon, il y aura pas d'ambiance où je suis, je pourrais vous filmer la marée d'en face par contre. Mais j'espère que je vais pas trop m'ennuyer. Mais bon, après à Bollard, on s'ennuie jamais. Hein. Même maintenant, le Pagno, ça commence à suivre un peu l'ambiance. Donc on se retrouve là-bas. Et puis j'ai trop hâte, à tout de suite. Bien arrivé! Franchement, quel bon temps pour venir au stade. Ah bah, c'est pas mal du tout ici en fait. Hein. Il pleut à verse, mais on se mange zéro goutte de pluie. On est tellement bien passé. Je sais pas si on voit qu'il pleut, mais il pleut à verse. La compo est sortie et dans la compo il y a trois nouveaux joueurs, enfin trois nouvelles recrues, c'est Spierings, Diouf et Villavogui. J'ai pas pu voir ce qu'elles donnaient dans les précédents matchs amicaux parce que j'étais en vacances et au camping il y avait genre zéro réseau, je pouvais regarder aucun match. Du coup ben là je vais enfin voir ce que ça donne. Mais après on en a entendu que du bon, on verra bien. La télé s'installe, ça commence dans 20 minutes. La balle va être du côté de Torino, je vais tout le temps filmer parce que je filmais pas le gardien, il se prenait aucun but, je filme, ça fait 4 sur 4 qu'il prend ou qu'il tire à côté. Gare encore un. Là on prend l'appui. Allez les soyeux, vous êtes
Allez, elle va pas passer, hein. Elle va pas passer, putain. Et ça repart, allez, allez. Putain. Et ça repart encore ou ça repart pas? Ça repart. Dommage. Il pousse, ça veut pas rentrer. C'est un truc de fou. La mi-temps, ça fait 0-0. C'est un super match, franchement, c'est un beau match. Pour l'instant, ils m'en veulent le plus. Je trouve que ça joue pas mal. Du coup, j'ai hâte de voir la deuxième mi-temps. Je pense qu'on peut en marquer parce que franchement, devant, ça joue. On a eu plusieurs occasions. Je pense qu'on peut marquer encore mettre moins d'un coup. Ça serait bien si la deuxième mi-temps peut marquer. C'est dommage parce que ce sera plus en bois. Sinon, voilà, le panier, j'aime bien voir le match. Mais ça ne suit pas aucun champ. Après, hors de la course, ça a pas l'air de trop suivre non plus, du coup pour ce match-ci, je suis bien ici, mais je sais pas si c'est pour la là. Ça reprend avec plus de bruit que jamais. Et les Italiens, ils sont chauds là-bas. Au final, là, le panneau, c'est pas si mal, hein, parce que sinon, la pluie qu'on se mangerait là. Je sais pas si on voit là. Wow. Un truc de fou. Par contre, la pelouse, elle doit bien glisser, ça doit être bien à jouer pour eux. Il y a l'école qui va rentrer. C'est l'histoire. Frankowski. Sorti également sous les applaudissements du numéro 18. Andy Diouf. Remplacé par le numéro 28, Adrien Tomasso. Sorti aussi du numéro 3, Taïber Machado. Remplacé par le numéro 24, Jonathan. Et enfin, pour terminer, sortie de notre capitaine, le numéro 30, Brice Sampo. Remplacé par le numéro 16, Chalou. Lego. Thank you. Lego. Il faut qu'on la mette un jour. Il faut qu'on la mette un jour. Allez, celle-là. Celle-là, on vient juste de failli marquer, non, ça ne dit pas. Celle-ci. Non. Mauvais pronostic. On a Cortés qui va rentrer. À ce qui paraît, lui, il était très prometteur, alors j'ai hâte de voir. J'espère qu'il va mettre. Allez, il va mettre un but, on va dire. Ah bah il y a trois changements au final. Cortés, Cusano, et je crois que c'est Sichuba. Ah, c'est dur à dire. Si je me trompe pas et que j'oublie personne, il y a toutes les nouvelles recrues dans l'équipe. Il reste 8 minutes. J'espère que ça va rentrer, mais on mérite.
qu'il y a d'avoir deux grosses fautes devant nous là. Au moins, il y a une faute pour eux avant. Et après, les coins, je crois, ils se prennent un crampon dans la tête. Ça doit faire mal. Très mal. Bah, je crois que ça va dans sa tête. Hein. Le pauvre n'empêche. Il rejoue. 10 minutes après, on baisse. Bon, bah, du coup, les coins, ils sortent. Samba, il va revenir sur le terrain. Voilà. Mais du coup, comme il y avait une faute pour Torino après, ça vous prend pour eux. J'espère qu'il met, il la met pas, il la met pas. Voilà. D'un coup, qu'il n'y a pas de chicoté ou pas de personne qui repartent avant parce que c'est les bouchons, on va se taper les bouchons. Je suis dégue du coup, mais sinon, je suis trop contente d'être retournée au stade, trop contente d'avoir retrouvé le stade. J'espère que le vlog vous aura plu. La deuxième mi-temps, elle était beaucoup moins bien que la première, je trouve, mais bon, après, il faut voir. Je suis pressée de voir le match contre Manchester United. Là, ça va être un vrai gros match. Après, Torino, c'était pas donc facile à jouer, mais je suis pressée de voir le match contre Manchester United, ce que ça va donner. Nous, on se retrouve bientôt. J'ai une vidéo qui doit sortir bientôt avec Thomas, là. On avait fait un live. Du coup, on se retrouve déjà la semaine prochaine. Salut.